Alors décidément, les foudres de Jupiter ont choisi cette année de s'abattre sur l'outre-mer. Vous savez, cette outre-mer que vous aimez tant, qui fait de vous la première puissance géostratégique du monde, celle qui vous permet, en bombant le torse, de dire « jamais le soleil ne se couche en France ». Et pourtant, vous avez, au cours de cet article, décidé de supprimer une mesure qui permettait de restituer à la fois justice et équité auprès des contribuables de la dite outre-mer. 38% de vie chère supplémentaire sur les produits de première consommation, autrement dit, entre autres, l'alimentation. Quelle est cette théorie économique qui vous a amené à une telle scélératesse? Vous avez choisi, en parlant d'une pseudo-décision de gauche, de vous attaquer à ce que vous avez appelé les riches, en leur enlevant ce qui pourrait être un privilège, autrement dit une niche fiscale. Vous avez décidé de vous attaquer aux riches. Et vous savez ce que vous appelez riches dans votre nouveau monde? Un couple qui gagne 6 600 € à eux deux par mois. Autrement dit, deux salaires moyens de 3 300 €. On appelle ça des riches. Voici la première base sur laquelle vont être impactés les contribuables auxquels vous avez décidé de vous attaquer. Savez-vous que là aussi, je ne sais pas quel théoricien de l'économie vous a permis de croire que dans un pays qui est en voie de développement, en tout petit développement, on s'attaque aux classes moyennes et en particulier à la tranche basse de la classe moyenne. Un amendement de repli, il ne nous reste plus que ça. Nous replier derrière notre misère, nous replier derrière notre sous-développement, nous replier derrière la sous-considération, nous replier derrière cette absence de vision, nous replier derrière ce peu de considération qui nous est fait et cette alchimie des chiffres qui a été maintes fois et maintes fois notifiée comme faux à l'administration fiscale, mais également au ministère concerné. Eh bien, mon amendement de repli, c'est pour en tout cas supprimer l'abaissement des limites de l'abattement fiscal pour limiter l'impact de la mesure sur les classes moyennes et professionnelles. Et je dirais, pour terminer, dans un grand geste de désespoir, que si aujourd'hui, la République, tellement fière de ses outre-mer, lui conférant tellement de puissance internationale, est aujourd'hui à 70 millions près pour aider, en tout cas, à rattraper des retards qui méritent d'être rattrapés, qui sont nécessaires. Les images de la Guyane, vous les avez vues. Les images de Mayotte, vous les avez vues. Eh bien, si aujourd'hui, la Grande République française est à 70 millions près pour assurer le non-développement de ces territoires, eh bien, je vous invite à jeter la clé de la France dans ce grand geste de désespoir dans la Seine.